En Somalie, les Chebab ont encore frappé. Selon les autorités, 7 soldats, dont un commandant militaire, ont été tués dans cet attentat, ainsi qu'une centaine de Chebab. Les insurgés ont lancé une attaque contre une base militaire à Galkad, au nord de Mogadiscio, selon un communiqué du gouvernement somalien évoquant de violents combats. En septembre 2022, le président Hassan Sheikh Mohamoud a envoyé l'armée soutenir des milices locales, connues sous le nom de Makawisle, qui se sont révoltées contre les Chebab. Cette offensive, appuyée par la force de l'Union africaine en Somalie et des frappes aériennes américaines, a permis de reconquérir de vastes territoires de deux États du centre du pays, l'Irshabelle et le Galmoudouk. Le président a annoncé que de nouveaux contingents de soldats somaliens entraînés en Érythrée seraient déployés prochainement dans le cadre des opérations anti-Chebab.